Allez, la deuxième avec ta vitesse prochaine maintenant. Alors, ça est en question 12 dans le livre Mahabia. Et bien, on peut nous lire ton bel exemple, exemple 27, là. Alors, on peut nous lire ton exemple 25, oui. Allez. Alors, on peut nous lire ton exemple 27. Très bien. Alors, c'est exemple 27 pour nous. Donc, on a le livre Mahabia, c'est question 12. Et on vient de voir que c'est le nombre 2001, papier 2, question 11. Allez, ce livre a pris sa diagramme au Bokia. Et pour prendre comme les informations, l'indication comme ça que ici, is to CB, c'est combien? Et si is to CB, c'est 2 to 1. Allez, top. Et ensuite, par contre, les aussi tellement comme ça que OB is to BD. Alors, voilà, OB is to BD, c'est combien? OB is to BD, alors c'est 3 is to. C'est 3 is to 2. Allez, top. Maintenant, les finis, c'est ce qu'on sent que OA, OA, LB, OA, et par contre, OB, LB, OB. Allez, notez rapidement. Alors, OA, LB, OB, couple un vecteur A, et par contre, voilà, OB, LB, OB, couple un vecteur, LB, OB, couple un vecteur B, ça c'est pour OB, très bien. Les deux express as simple as possible in terms of A and OB. Alors, première partie, je vais prendre AB. Allez. Comme première partie, we need to find AB over here. Très très direct. Alors, première chose qui se passe, c'est quoi ici là? AB, tout le monde, c'est bien connu. Qui premier réflexe vous disait, je te le fais là? Premier réflexe, vous faites ce travail en termes de formule. Allez, en termes de formule, qui divine? Divine OB retiré. En termes de formule, c'est OB retiré OA. Pénalement, on y garantit qu'il est pour moi, là. S'il n'est pas moche, pas formule, mais pas laisser faire les pas au chemin. Vous êtes tout d'accord avec moi là? Du coup, il n'y a aucun garantie qu'il est moche. Alors voilà, si il n'est pas marché, c'est pour vous en faire l'hypo 20 par vous, là, c'est encore rappelé. Maintenant, avec un coup de compte, est-ce qu'il mène à OB? Oui, mène à OB comme B. Et est-ce qu'il mène à OA? Oui, mène à OA comme A. Alors c'est B retiré A. Très très direct. Ça c'est pour la première partie. Comme deuxième partie, maintenant, you have to find AC. Alors si tu me disais, prends A par juste AC. Guette bien, pour prendre A par juste AC, nous obligez, c'est sa première formation là. Guette bien, parce que, il y a un terme ratio theorem là. Alors, ce qu'il ne veut pas faire, prend A par juste AC. Alors, ce moment-là, qui chemin vous pouvez faire? Il y a un multiple chemin. Mais qui chemin vous pouvez faire pour prendre A par juste AC? Alors, vous êtes tout là pour que bien. AC, c'est quoi? AC, vous avez besoin de remarquer bien là. Là, en place de par calculer le chemin, en place de par prendre A, vous parle O, vous parle prendre O, vous parle B. Après, vous prenez B, c'est pour venir C, which is not bad. Mais vous avez besoin de pas trouver directement que vous ne pouvez pas faire AC en termes de constante de AB, vous êtes. C'est pas un collinien point, ça A, C, B. Alors, quand vous regardez ça, vous trouvez A, C, B. Maintenant, vous trouvez maintenant l'information AC is to CB. Voilà, AC is to CB, so ratio 2 is to 1. Good for the spot. Oui. Alors, ce qu'il ne faut pas le faire, vous voyez qu'il n'y a pas un AC en termes de AB. Alors, ce qu'on me garde, permettez-moi de réfléchir comme ça, c'est parce que mon AB, vous êtes. Si mon AB, vous ne pouvez pas faire AC. Je te rappelle, monsieur Montazel, quand je travaille au collinien point, je le donne à trois sections. Alors, nous avons de là quelque chose qui est inconnu, on tient quelque chose qui est connu tant que possible. Pas tant que possible, nous avons de là quelque chose qui est connu. Alors, pour la deuxième partie là, this is your line over here. Alors, cette partie, nous ne pouvons pas relier pas mal parfois. Nous pouvons relier par sa technique là, parce que ici, nous avons mon point C, ici, nous avons mon point A, et nous aussi connaît que A6 to CB, c'est 2 to 1. Ça veut dire pour A pour vin C, c'est 2 pot, et par contre, pour C pour vin B, c'est 1 pot. So what is total number of pots? Total number of pots makes up to 3 pots. Alors ce qui me dit qu'il n'a pas fait, me dit qu'il n'a pas le rôle AC. Voilà, so this is AC over here. Alors, je ne pas le rôle AC en termes de mon vecteur AB. Si on voit avec le simple des autres, mais on a tout le temps 3 pots. Ça c'est 2 pots, ça c'est 1 pot, ça c'est 3 pots. On a 3 pots ici là. Alors ce qu'on ne peut pas exprimer AC en termes de CB, je ne peux pas prendre CB. Ni nous ne pouvons pas l'exprimer AC en termes de CB. Ou soit moi l'exprime AC en termes de AB. Est-ce qu'il est possible? Oui. Moi l'exprime AC en termes de AB parce que AB dit quelque chose qui est nul. Je peux comprendre. Tout le temps, je peux essayer de un nul en termes de quelque chose qui est nul. Vous ne pas faire un nul, c'est bien nul. D'accord, c'est bon là. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui ne pas connaît en termes de quelque chose qui est connu. Pour me faire ici, bien connu. Alors, so what is going to be dans le book here? On va l'exprimer AC en termes de quoi? On peut exprimer AC en termes de AB, il y a une direction montée. Alors, il y a besoin aussi avec direction montée. On ne peut pas comparer un vecteur, une direction montée, une direction descente. Soit on explique ça va être aussi là. Alors, on va parler AC en termes de AB. Voilà.
On va parler AC en termes de AB. Allez rapidement, AC c'est combien? AC c'est 2 pots. Par contre, prends A par B c'est combien? Prends A par B c'est 3 pots. Once qu'ils ont réussi à faire un bout dans ce préchauffe, you're wrong. Alors, le fait qu'ils m'ont parlé AC en termes de AB, on pourrait dire qu'ils ont parlé AC en termes de AB parce que AB dit non, suite dit bien. Mais vous oubliez beaucoup moins de choses, on va essayer de faire le maximum, tu sais que ça bosse là aussi bien. Dernière séance au vecteur, ça reste le maximum prêt pour qu'elle give you. Après ça, si vous avez un passe pour toutes les vidéos, d'après votre prévision, je vais oublier de publier là complètement là. Alors suivez ça bien s'il vous plaît. Alors si vous répondez pour la deuxième partie, on a deux choix. Soit on exprime AC en termes de CB. Le fait qu'il ne m'a pas connu CB, on va pas l'exprimer AC en termes CB. Maintenant, deuxième choix, on exprime AC en termes de AB. Alors c'est ce qu'il m'a connu AB. Oui. Alors le fait qu'il m'a connu AB, on va pas l'exprimer AB certainement en. On va l'exprimer AC certainement en termes de AB. Parce que AB dit unknown. Good. Alors AC c'est 2 pots, AB par contre c'est 3 pots. Et là voilà. AB peut diviser là-bas. L'autre côté, il y a une multiplication. Alors cela vous donne combien? Cela vous donne 2 tiers fois. Maintenant AB c'est combien? AB c'est B retiré. C'est B retiré A. So this is for. So this is for AC. Moi je vais pas voir là, moi je ne vais pas les séparer. Alors ça c'est pour la deuxième pot. Maintenant, troisième partie, c'est quoi? Troisième partie, c'est tout fine aussi. Allez, troisième partie. That's fine aussi. Aussi, c'est quoi? Aussi, c'est prendre au bout d'une C. Reprendre le chemin qui est connu tant que possible. Allez, donne-moi deux propositions. Allez, première proposition, c'est quoi? On prend au moins le B. On connaît au B. Et on prend B moins C. On va prendre BC. Mais est-ce qu'il me paraît BC? Oui, il me paraît BC en termes de BA. Mon ABA. Si mon AB, je dis mon ABA. Donc là, par contre, BC en termes de BA, pareil comme ça, pour gagner. Alors ça, c'était la première proposition. Moi, maintenant, je vais prendre au moins le A, qui me déjà connaît, parce que A, c'est A. Et je prends A moins le C, que je mets là AC. Ça veut dire, là, je vais choisir quelque chose qui est plus facile. Choisir tant que possible, un chemin qui est, on peut gagner le maximum connu. Alors, ce qui me paraît dans une circonstance comme ça là, je vais prendre O par le B, après B pour AC. Mais par contre, je vais prendre O par le A. Et ensuite, je vais prendre A, je vais prendre jusqu'à. On prend un mot par jusqu'à C. So this is O, this is E, and this is C. Good for this part. Oui, allez rapidement maintenant. Alors, si on prend O moins C, on peut faire OA, et on peut faire, AC. AC, c'était 2 tiers B retiré A. Alors, voilà, so to get from O to C, on prend O, mot par jusqu'à A, et ensuite, on prend un mot par jusqu'à, C. Alors, OA c'est combien? OA c'est A. Et par contre, AC c'est combien? AC c'était 2 tiers de B retiré. 2 tiers de B retiré A. Alors, cela vous donne A plus. Alors, 2 tiers en B c'est 2 tiers B. Et 2 tiers en moins A c'est négatif 2 tiers A. Good for this point. Oui, allez, suivez, vous pouvez suivre. Dernière leçon par rapport à vecteur. Après la maison, on peut se démontrer sur la tire ça. Alors, vecteur A retiré 2 tiers vecteur A. Alors, 1 retiré 2 tiers, c'est 1 tiers. Alors, cela vous donne 1 tiers vecteur A plus 2 tiers vecteur plus 2 tiers vecteur B. So, this is for OC. Good for this one. Oui, allez, très bien. Ça, c'est pour la troisième partie. Maintenant, pour la quatrième partie, c'est quoi? La quatrième partie, c'est ODI. Allez, let us go and find ODI. Donc, vous avez cette information-là. Alors, pour ODI, c'est quoi? Vous connaissez OB, vous venez BD. C'est un ratio de 3 to 2. And the question is to find. The question is to find ODI. Mais qui n'est pas compliqué. Voilà. La question c'est find ODI. Allez, so you have this as a straight line. You have this as O. You have this as B. You have this as D. Maintenant, comme question, voilà. Alors, comme information, OB c'est 3 pots et BD c'est 2 pots. Allez, rapidement, OB c'est 3 pots et BD par contre c'est 2 pots. Et total number of pots, c'est combien? C'est 3 plus 2, cela vous donne 5 pots. Mais c'est très très direct là. Allez, dis-moi tout de même. Mauvais road quoi alors? Mauvais road ODI. Qui va une option qui m'a rien de? Tu vas exprimer ODI en termes de quoi? Tu vas exprimer ODI en termes de soit OB ou soit en termes de ODI. Tu exprimes ODI en termes de BEP? En termes de BD? De tout la peau là. Alors, soit on exprime ODI en termes OB, soit on exprime en termes BD. Allez, dis-moi rien de. En laquelle tu peux exprimer? Laquelle qui connaît? BD. Tu connais BD? Non. Tu ne connais pas BD, tu connais plutôt? Eh bien, c'est OB qui nous connaît.
Ça veut dire qu'on va l'exprimer en termes de, on va l'exprimer en termes de OB. Vous autres, ça va être une question, c'est sûr que vous gagnez pour un simple examen. Vous allez faire une bonne question au polynia, pour une bonne question au parallèle, vous allez faire un mélange en entier là. Vous êtes bien bien connecté, moi je vais faire ça, moi bien préparé, vous allez faire un sortateur qui a fait l'école vecteur, un sortateur qui a fait le parallèle vecteur, un sortateur qui a fait polynia points. Chaque semaine, vous êtes en route, vous allez faire 5e séance là. Et là, tout le monde sait, on ne sait pas copier une année, l'histoire va à peu près 8 séances, tu peux copier et tout. Vous avez imaginé, vous avez fait exemple 27, vous avez. La course est bon, on n'a pas fait plus que ça là. C'est impossible, l'école même ça fait les comme ça. Vous ne pas connaître ce professeur, ils ont même fait les quantités détaillées là. Alors, so you have to make sure you're beating this algorithm. Allez, alors ce qu'il ne va pas faire, on va pas faire OD exprimé en termes de. On va exprimer OD en termes de OB. Good, allez. OB c'est combien? Allez, OD, prends O par D c'est combien potes? C'est 5 potes. Prends O par B c'est combien potes? C'est 3 potes. Alors cela veut dire que OD qui vaut? Il vaut 5 tiers fois 2. Il vaut 5 tiers fois 2 OB. Alors ça veut dire qu'il vaut 5 tiers fois. Et OB par contre c'est coplanar vecteur. C'est coplanar vecteur B. Is it good for this pot? Oui, c'est sûr que j'aime bien comprendre un peu ça là. C'est sûr là, c'est OK. Allez, très bien. Alors ça c'est pour la partie. Ça c'est pour la partie A. Alors chacun de vos cartes points là-dedans. Ça va devenir bien quatre points déjà. Maintenant pour la partie B, il faut savoir que la partie B, il faut B retirer un tiers A. Allez, pour la partie B. Que la partie B, il faut B retirer un tiers A. Allez, c'est quoi ça c'est? C'est C. Allez, prends C pour le D. Dis-moi, je vais quel chemin je vais prendre. Anything? Anyone can tell me anything? Prends C pour le D. Qui me cas fait? Me cas prend C moins B. Après, me prend B moins. Après, me prend B moins D. Vous êtes là pour ou soit? Pas nécessaire, non? Pas nécessaire. Get bien. Vous avez prend C moins D. Un chemin, ça va. Prends C moins D. Vous avez besoin de CB et vous avez besoin de BD. Vous êtes d'accord avec moi là? Oui. While it is not a problem to find CB, you have to then calculate it. Vous avez besoin de ça, vous avez besoin de CB. Vous avez besoin de là-bas là, vous avez besoin de BD. Voilà, vous avez besoin de ça par l'information. Vous avez besoin de BD et vous avez besoin de information. Vous avez besoin de BC. Mais j'ai besoin d'un calcul. Par contre, mon problème, c'est qu'il me besoin de force test. The force test possible. Allez, nous regardons bien. Chemin plus rapide, en cours, c'est prendre C par le B et B par le D. Mais moi, je disais que le chemin plus rapide ici, en place d'un second, il fait là. Mais il ne sera pas très plus rapide à Gaza et aller, il sera plus vite au piste plat là. Mais il faut des lits possibles. Ou soit maintenant, les gars, il paraît le chemin plus rapide, mais est-ce qu'il y a un chemin plus compliqué aussi? Par contre, on l'escalier là, les plus longs, mais les plus simples. Tandis que, pas au sein de sur la cour, les plus rapides, mais seulement les plus compliqués. D'accord? Alors, il n'est pas nécessairement qu'il nous ait un chemin plus rapide, mais il nous ait un chemin ça, qui est plus simple. Quel par exemple, si nous avons le prend C dans le B avec nous prend B dans le D, il paraît le chemin plus simple, mais en termes d'âge, il est plus compliqué parce que nous avons fait CB et nous avons fait BD. Quel point pour moi de un chemin qui est plus long, mais seulement les pas compliqués du tout au fait. Bon, vous prenez C, vous prenez A. Bon, vous prenez A, vous prenez O. Bon, vous prenez O, vous prenez D. C'est obligatoirement comme ça que vous faites sur la soirée là-bas. Vous faites un long chemin là. Mais seulement en termes de calcul, vous n'avez aucun calcul à faire au fait. Tandis qu'ici là, vous avez besoin de calculer CB. Vous avez besoin de calculer BD. Ajoute tous les D ensemble. Un gros travail. Tandis que là, vous faites un long chemin, vous pouvez faire CA. Vous avez besoin de vous CA. Oui, si vous avez A, si vous avez CA, vous êtes d'accord avec moi. Après, vous comprenez A, vous parlez O. Est-ce qu'il vous a A O? Oui, si O A, il y a A. Chemin retour, il négatif A. Après, vous comprenez A, vous parlez D. Allez, après, vous comprenez O, vous parlez D. Est-ce qu'il vous a OD? Faites calculer OD. Vous pouvez saisir logique là. Ça veut dire que vous pouvez faire un calcul non lié. Par contre, ça n'a les chemins plus rapides, mais seulement les plus compliqués. Vous pouvez à la fin, vous pouvez dire les réponses là. So, what is to be done? Nous avons calculé CD, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous prenez pas jusqu'à côté D. Alors, ça, c'est mon point D là-bas. Bon, vous prenez C, vous venez jusqu'à A. Ensuite, bon, vous prenez A, vous prenez jusqu'à D. Et là, voilà, par contre, vous prenez jusqu'à O. Et là, par contre, vous prenez D. Alors, ça veut dire que vous prenez C ici. Bon, vous faites ça. Bon, vous faites CA. Ensuite, bon, vous faites AO. Ensuite, bon, vous faites O. Ensuite, bon, vous faites OD. Good for this part. Oui, allez rapidement. Ça veut dire que vous êtes capable de calculer AC, vous êtes capable de calculer AC. Qu'est-ce que vous faites? Désolé, ce n'est pas AC. Vous êtes capable de prendre C pour le D. Alors, si vous calculez le vecteur CD, vous prenez C, vous faites A.
Ensuite, moi, vous prends A, moi, voilà, O. Ensuite, moi, vous prends O, moi, voilà, D. Allez, c'est A, par contre. Si A, c'est B, vaut 2, tiens, B, retirez A. Si A, c'est B, vaut 2, tiens, B, retirez A. Et c'est A qui vous vaut. C'est A pour vous, c'est négatif. Ça veut dire qu'il vous vaut négatif 2 tiers fois de B retiré A. Voilà, ça c'est A. Maintenant, prends AO. Si tu prends O combine A, c'est A. Prends A par O, c'est combien? Alors, c'est négatif. C'est négatif A. Et prends O par D par contre. Cela vous donne 5 tiers. 5 tiers B. Good for this one. Oui, c'est OK là. Allez, très bien. Allez, simplifiez du point A maintenant. Alors, moins 2 tiers, fois moins A. C'est positif, 2 tiers A. Ensuite, plus fois moins A, c'est négatif A. Simplifiez par B, moins 2 tiers fois B. C'est moins 2 tiers B. Et ensuite, par contre, ici, c'est 5 tiers B. Alors, ça, c'était pour CD. Voilà, ça, c'était pour CD. Allez, 2 tiers retirer 1, cela vous donne négatif 1 tiers A. Voilà, c'est négatif 1 tiers A. Et par contre, moins 2 tiers plus ça, cela vous donne combien? Plus B. Plus 1 demi-frère. Alors, plus B. Alors, cela vous donne B retiré 1 tiers A. Is it good? Est-ce que c'était ça qu'il nous a bien montré, vous autres? B retiré 1 tiers A. Alors, ce qui est bien là pour les examens. Apôtre qui comme moi, je regarde la bonne réponse ici. Vous connaissez tout ça qui n'a pas là aussi, bon. Parce que, guette bien, vous ne pas qu'à sa réponse, ah bon. Faut des mots OD ton bon, faut des mots CA et ton bon. Mais CA, par contre, cette question là-bas, ça commence. C'est motif négatif, un point pour ça. Pour faire OD, motif négatif, un point pour ça. Ça veut dire, le mot, faut des savoir les autres potes, il n'a pas là, les bons. Faut qu'il s'en aille aussi ton bon comme réponse. So then, it's going to give you confidence in the exams that everything that is being done is completely fine. Oh, c'est un examen, tu mets un bac là. Par contre, si ça parle donc B retient 1 tiers A, là c'est bizarre stressé là. Parce qu'il soit de mal fait ça, soit il est pas retient, donc il tombe mal. Quand avant la route, ça c'est bien compliqué là. Vous allez acheter la ligne pour la ligne, la bague, et si pas, vous bien faire chemin là. Vous allez bien prendre le signe, vous allez marquer quelque chose, vous allez bien balancer le bandeau chaud. Vous allez bien comprendre les choses. The only way you can get it done directement is by having lots and lots of practice. Parce que tout le temps, la presse fait des mots, je ne peux pas faire des autres mêmes. As I'm getting better, which I don't really need to, if I can say so. And I'm not saying you're getting worse, but you're not getting better. Allez. Now, for the part C, then there's a comme ça que OE, niveau 5 ne vient pas. Alors, given que OE, niveau 5 ne vient pas. Voilà. Alors ça c'est pour OE. Mais c'est ce comme ça. Arbre de vecteur ID. Allez, arbre de vecteur ID. Prends E pour D. Allez, tiens-moi ce même. Prends E pour D qui nous graphe. Quand j'ai quelqu'un qui nous donne un 6D. Allez, il y en a 6D. Nous n'avons pas prendre E, nous faisons A, après nous faisons A, nous passons C, après nous faisons C dans D. Ou soit, nous prenons E, nous passons O, après nous prenons O, nous passons D. Tout dépend qui m'a dit, ah, mais mon a OE. Si mon a OE, mon café, EO, mon retourner. Après, mon prend O moins D, est-ce qu'il m'a OD? Oui, mon a OD ici. Ça fait qu'on comment réfléchir là. Ça veut dire un multiple chemin. Mon gardien, je prends E à A, prends A par C, après, prends C à D. Elle ne tenait qu'à prendre C à B, après, il fait B à D, un multiple chemin là. Mais c'est peut-être un chemin qui est, pas chemin qui est, pas chemin qui est moins long. Mais chemin qui est moins compliqué en termes de calcul. Ça veut dire que moi, si vous avez besoin de prendre là, vous avez besoin de passer par A, vous avez besoin de passer par C, vous avez besoin de passer par B, vous avez besoin de passer par D. Moi, si vous faites tant plus simple pour me calculer, tant plus possible pour me calculer. Mais par contre, ici, là, vous pouvez faire E moins O et ensuite vous pouvez faire O moins D. C'est tout d'accord là? Oui, alors c'était quoi qui nous pérode? Là, nous pérode E, nous pérode ED, n'est-ce pas? Oui. So, we're looking for ED over here. Alors, premièrement, ça qu'on nous a pas fait, nous avons essayé de décider de marcher par formule. Allez, aidez rapidement. Est-ce qu'il peut marcher par formule? Par formule, il faut bien indiquer. Il faut bien aider, t'es gars là. Allez, c'est une formule là. Voilà, c'est une formule là pour displacement vector. OD retiré.
C'est Audi retiré OE. Good for this part. Oui, allez, rapidement là. OD c'est combien? OD c'est 5 tiers. C'est 5 tiers B. OE par contre c'est combien? C'est 5 neuvième A. Good for this one. Est-ce qu'il est infini gagné? Oui, infini gagné. So this is for. So this is for ED. Alors ça c'est pour la partie C. Maintenant pour la partie D, montrez que ED avec ses deux autres, montrez que ED l'évoque est un petit B. Allez. Montrez que ED l'évoque est un petit B. Alors, ED l'évoque est un petit B. So the goal is to find. So the goal is to find K. Allez. ED l'évoque est un petit B. Ah. Dis-moi quelque chose. Ça veut dire ED peut tomber un multiple de CD là, n'est-ce pas? ED peut tomber un multiple de CD et quand il tombe un multiple, tu regardes les champs. Les parallèles. Les parallèles, ça c'est comme premier réflexe. Do we have common point D? Yes, we do have common point D, common point D. ED avec CD, mais un common point D, ça veut dire est-ce qu'il est parallèle là, là, là? Qu'il est tombé, il tombe. Mais vous avez révisé qu'il est tombé comme l'une. Hein? Les tombes collinaires, vous êtes because we have common point. Ça l'a fait en gros détail, ça. S'il vous plaît, rendez-moi un service. Si c'est pas bien, regardez pas une vidéo là. Réal, prenez le papier blanc, réal, pratique le tout. This get question. Alors, firmez y à travailler dans un autre cahier. D'accord, un rough copy book là, car si vous êtes posé, vous êtes pratique. Pratique même question des trois codes. Vous êtes gagné parler ou parler. To be perfection. Mais vous êtes arrivé à perfection. Moi, vous les avez réussi à pas. Non, trace, trace. Et même moi, vous avez gagné réponse ça. Je ne suis pas capable de perfection directement comme ça, même, mais non, c'est pas vrai ça. Vous êtes capable de mettre comme ça pour l'examen, ça coûte du temps et ça coûte beaucoup de pratique. S'il vous plaît, prenez un rough copy book, pratiquez, pratiquez, faites par exemple à la case, allez essayer de faire ça pour eux. Arrêtez, pas, arrêtez, mauvais pour ça, je vous dis là, arrêtez, comme dans eux pour garder ce qu'il y a de ça, pour répondre ça. Et la différence entre guetter avec vraiment écrire. The writing pattern is different from the visual pattern. À cause ça, même pour l'examen, je vous dis, hey, tu connais comment on fait ça? Because only the visual pattern is being stimulated, not the writing one. Writing pattern définit tout toute l'information. C'est pour ça que je prends un numéro de discours pour rappeler. Je vais rajouter un numéro de téléphone de discours pour rappeler. It's easy for the mind to retrieve it when it's in terms of writing. D'accord, c'est bon là, on n'est pas pareil avec maman les autres sujets ça. Par exemple, je ne peux pas résilier ça, je peux même une journée, je ne suis toujours pas parfait. Mathématiques c'est différent, je peux comprendre avec ma limite. Je ne dis pas comme la sociologie. Ça c'est un sujet qui taxe beaucoup de mémoire ça. Ça veut dire. The more you have better memory, the more you have recalling capacity, it's going to work fine. En mathématiques, nous pas vraiment servir une partie mémoire. Nous servir une partie mémoire, just to store the formula. Qui peut-il nous servir plus? Partie logique et aussi partie écrit. Alors c'est bien différent avec les autres sujets de format. D'accord? Les autres sujets, ils require lots and lots of memory. And you also have part of the logic. Mathématiques, il est contrôlé. Mémoire là, pas trop énorme. Mémoire, c'est pour gagner des formules. Mais par contre, c'est writing practice. Il faut les autres comprendre ça pour être capable de connaître les autres. C'est-à-dire, tant que vous ne pas prendre plus, vous ne pas rester à ça, discuter si nécessaire, ou soit tant que vous ne signaler pareil comme ça, vous ne pouvez jamais be able to make it for the exams. Ça, c'est quelque chose confirmé qui me grâce à eux. D'accord, c'est bon, parce que on est prêt à un massacre qui ne fait pas faire comme les faits, disons, un petit peu. C'est parce que des moments d'être libre, de la route passe, ce n'est pas les personnes, c'est sûr qu'on peut faire ça. On peut dire qu'on peut faire ça, on peut continuer à écrire. So writing is really important, believe me. It's best advice I can give you to master maths. Writing is very important. Writing veut dire réaliser faire ça pour eux. And you should be very strict to yourself. Je ne rate pas la ligne là, je vais donner une punition. Recommencer à zéro. Donc, je vais me faire pareil, pareil, couper, réécrire les pieds à zéro. Recommence tout à zéro là. The PCG, this is the only way to capable scale up in mathematics. Give it a try for one day. C'est pas marché, et la continue de manière qui. Comment tu peux continuer là? Because si c'est une manière que tu peux faire, c'est là, il n'y a pas marché. At least give it a try for my method for one week. If it doesn't work, get back to your old habits. You have time for this, right? Allez. So it is equal to K times CD. Ah, nous avons pas le cas. Ah, vous allez dire, moi, vous avez pas le cas là? Oui. Mais valeur là, il y a un problème, si vous avez un problème, l'infini, c'est moi qui l'ai pour K times CD. Parce que l'infini connaît qui l'ai pour parallèle parce qu'il y a un multiple, mais le fait qu'il indique comme common point, il est going to be collinear. En même temps, je vais guetter là, guetter E et CD. Si mon zone, ça n'arrive pas à venir à cette place. À ce stade, peut-être quand je guetter dans le livre là, je vais trouver là, il y a un peu fait un dossier. Ça, c'est façon qu'il y a une dessinée ça.
Zamu c'est pas Gobay d'Arlor. Et là, ma zamu est très important, c'est que vous comprenez mathématiques. Il n'y a pas Gobay d'Arlor. Sinon, par exemple, dans les questions trigonométriques, dans les questions trigonométriques, disons, B en place de quoi ça vise à un rôle, cause rôle pour calculer d'une dimension. Mais moi, n'arrête mes idées. Ça c'est très grave. En place, on va rouler un angle. Ça vise pas sur toi, tu sois là. Mais moi, pour adapter mes idées, je ne faisais pas faire ça. Because you can't go by diagram. The diagram is never drawn to scale. Si je prends un index de Bristly là, c'est dans une ligne de Bristly, moi-même, quand je vais trouver l'île là, il y a un point E là, côté point E là, paraît là-bas. Avec ça, il va paraître point sur les lignes. Il va paraître collinier. Mais, calcul, mais c'est une collinier. Ça veut dire que le diagramme là, il est mal dessiné. Le diagramme là, pas drawn to scale. Si on dessine ni bien, il est bien comme ça. Il est bien DC, et celle la ligne continue E, sans que la ligne là, il n'y a aucun cabossé. Parce que si la ligne est cabossée, il n'y a pas de straight line. Il n'y a pas de ligne, elle est là. Vous avez compris la logique là, là hein? Oui, elle est très bien. Alors, le propos, c'est de faire un pied. Comment je peux faire ça maintenant? Je te rappelle, petit mon trésor. Comment je peux montrer qu'il y a vraiment les collinières, mais il y a différents vertices qui nous ont servi. Nous n'avons pas servi formule. Vous avez connu quand deux vecteurs sont parallèles, soit nous avons servi ça comme formule même, il dit quoi, tout est times ID, ou soit nous avons servi technique y of ID, upon x of ID. Is equal to y of cd upon x of cd. Mais là-dedans, c'est pas servir sa deuxième formule-là. Pourquoi c'est pas servir sa deuxième formule-là? C'est parce qu'auparavant, quand je fais travailler le tout, alors, les en termes de, un vecteur qui est très très direct. Les pas se ton man quelque chose comme de tiers b, de tiers a, pas se ton comme ça. Allez, si je me disais autre vecteur-là, si je me disais autre vecteur-là, je vois comme vous l'inquiétez. Qu'est-ce que vous dire, moi? Les n'est plus en colonne, là. Est-ce que je peux trouver la colonne 2, 3, là? Il n'est plus en colonne ces vecteurs-là. Donc, on va prendre y component, on va prendre x component. Ne pas capable de dire même y component, x component avant. Alors, pour ma question, on est comment c'est obligé de servir ça dans la main. Ça veut dire que si tout le monde sait, c'est de montrer que c'est parallèle. Donc, c'est pas obligé de servir id, c'est quoi tout qui est trame cd. Donc, tu peux servir y of id, upon x of id, c'est quoi tout y of cd, upon x of cd. Donc, tu peux servir ça là. Tu peux comprendre logique là, hein, oui, tu peux comprendre un peu ce là. Très très important à maîtriser. Et tout le monde voit si vous oubliez, répétez tout le monde vidéo là, si vous voulez être. Allez, so what is to be done? Pour me aussi montrer que ID livre K times ID, moi je prends ID. Est-ce qu'il me l'a ID quelque part? Oui. Donc, vous allez vous aussi montrer qu'il y a un niveau l'autre, un multiple l'autre. Allez, let's start with ID. Allez, vecteur ID, libé vos 5 tiers B, retirez 5 neuvième A. Get bien, ça va me dénominer de la 3 avec 9. Libé vos K times ID. Get CD vous êtes. CD B donc B retiré 1 tiers A. Moi qui m'obsède faire, m'obsède essayer de guetter comment mon gars fait ça, mais B retiré 1 tiers A en termes factorisation. Forme 2 ça. Ça veut dire que j'obsède essayer de factoriser ça, guetter que je peux attirer comme HCF, pour qu'il commence à faire B retiré 1 tiers A. C'est premièrement ça qui m'a fait. B est trop facile. Bizarre que ça vienne B retiré 1 tiers A, non. B qui m'a fait ça, B qui m'obsède faire.